Salut les frambis. Salut les chasseurs, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Community Day. Ouais, c'est un Community Day de ouf aujourd'hui avec le cheval Ponita. À nos écrans, regardez, le cheval Ponita qui s'est transformé en Palkia. Voilà. Et non, c'est juste pour activer le Spatio Rift pour avoir le maximum de Ponita dans notre radar. Et bien entendu, on va faire ensemble la quête de ce Community Day et voir ce qu'elle nous réserve. Et tu en as besoin des Ponita Shiny, toi, ou pas? J'en ai besoin, ouais, j'en ai besoin. Je vais regarder vite fait. Il a commencé il y a 11 minutes, hein, le Community Day. Est-ce que tu as eu des Shiny déjà, Seb? J'en ai eu un. Ok. Et là, je vais en avoir un deuxième, je crois. Vas-y, vas-y, clique. Shiny! Oh, et il s'est retourné. Le cheval, il l'avait comme ça. C'est un Pokémon qu'il avait déjà, celui-là, c'est ça? Alors, je l'avais déjà. C'est le normal que... Il c'est le faut bleu. Un. Ouais, le bleu, je crois il m'en faut un. Donc celui-ci là. Bon, c'est parti, on va voir la quête. Ah mais non, je crois que j'ai pas pris la quête. Faut que je l'achète quoi. Faut que j'achète la quête. Je vais voir. C'est à droite, non, je l'ai pas. Je vais faire le pigeon, je vais l'acheter. 1€. Et c'est bon, la quête est achetée normalement. Achetée, confirmée. Elle me demande de confirmer là. Êtes-vous sûr de vouloir être un pigeon? C'est bon les amis, c'est validé. Pigeon confirmé. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Alors, faire 5 jolis lancers, attrape 15 Ponita ou Ponita de Galar, ouais, et recharger un Pokémon 10 fois. Bon, moi je l'ai pas encore. Elle n'a pas encore apparu. En attendant, je vais mettre un œuf à éclore. C'est quoi les bonus du jour en fait? Poussière d'étoile? C'est bien, j'en ai besoin perso. Voilà, tu vois, regarde. J'ai besoin de poussière. Je suis à 44 000 poussières d'étoile. Du coup, je vais en profiter pour mettre mes morceaux d'étoile, Seb. Je vais en mettre quelques-uns, comme ça c'est fait. Et on va cliquer sur tous les Ponita que nous avons ici. On est de nouveau aux Tuileries, les amis. Ils ont réouvert une partie, apparemment. Donc là, c'est presque le carré magique. Cette partie, elle était déjà ouverte. Ah, elle restait ouverte. Ok. Même et pendant les JO, c'était ouvert ici, là? Ouais, c'était ouvert. Il n'y avait pas une épreuve, un truc comme ça, ici? Non. Ok, nickel. Il y a juste la vase que vous avez vue, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment une petite partie qui est ouverte. Elle est vraiment... Bon, elle n'est pas petite, mais il y a quand même du monde qui se balade. Mais l'entrée côté Concorde est fermée. L'entrée de l'autre côté, côté Jeanne d'Arc, c'est fermée également. Et du coup, on est obligé de passer par l'extérieur. Et c'est entre les deux que c'est ouvert. Tu es en train de capturer? Oui. Ok. Là, je suis en train d'essayer de raser la zone, Seb. Et du coup, si tu veux... Ah, bah c'est bon, j'ai la quête, enfin. Et là, il nous demande du coup d'attraper quelques Ponita. On fait cette première page, on rase tout ça. Et après, on ouvre ensemble, ok? Ok. On se retrouve si un shiny. Bon les amis, on a fini, on va ouvrir, on va découvrir ensemble le Pokémon qui se cache sous la première quête. Aucun n'est shiny pour moi, pour info, tout ce qu'on a attrapé là. Premier les amis, 3, 2, 1, shiny chat et... Pas shiny. 708. 700 en moins. Ah ouais? 700 moins que toi. C'est vrai? C'est-à-dire que le mien est bon? Non, j'ai eu 703. Nul. Allez, le deuxième Pokémon, un Ponita de Galar, peut-être. Shiny check. Pas shiny. Pas shiny non plus. 693. 706. La suite. Transfert 10 Pokémon. Attrape 15 Pokémon Ponita au Ponita de Galar et fait évoluer un Ponita ou un Ponita de Galar. On vous dit à tout de suite. On va se déplacer et trouver des Ponita. C'est parti. Fouche. Fouche. Les chasseurs, on se retrouve après avoir bien chopé nos 15 Ponita et j'ai attrapé 2 shiny mon gars. Ok. Regarde, Galar, les deux de Galar. Ouais, moi aussi. J'ai eu une éclosion avec un Ténéfix shiny. Oh GG. C'était hier. Moi ouais, j'ai cru que voilà. C'était là. Et, ok, bah écoute, sinon on va prendre
le Ponyta de Shiny et on va le faire évoluer. Ouais, on va faire un chacun, un de chaque race. Moi, je l'avais déjà fait évoluer celui-ci. Là, c'est ta première évolution du Galarian ou... Non. Ok. Parce que j'ai vu qu'on le voyait déjà. Est-ce que si on a déjà fait évoluer celui de Galar, on voit celui d'après ou pas? Je sais pas, il faut voir. Vu que tu l'as jamais eu, toi, le bleu, là, on va voir si tu vas avoir la forme qui s'affiche. Ouais, mais en fait, comme j'ai pas encore de bleu, je peux pas savoir. Ouais, c'est ça. Regarde, stylé ou pas? Ouais, il est simple. Il a perdu son bleu, il est devenu gris, en fait. T'as jamais fait évoluer celui... Bah voilà. J'ai fait évoluer le normal, moi. Tu réponds à ma question, Cécile, parce que moi, j'avais jamais fait évoluer le normal, et je le voyais, en fait, à quoi il ressemblait, en fait. C'est parce que j'avais déjà fait évoluer le Galarian. Ok, bon, bah écoute, on va voir ce qu'elle nous réserve la quête, Seb. C'est des Ponyta de Galar, là, non? Ils inversent, je pense. Je pense. Allez, shiny check. Et oui, ouais. C'est validé. Combien? 698. 92. Donc, ça doit être 720, je pense, le 100%. Ouais, quelque chose comme ça. Je suis sûr que Cécile va nous le donner dans quelques secondes. Le 100%, le PC du 100%. Je sais pas. Allez, tu es prêt? Shiny check. Hop! Pas shiny, 702. 696. Nul. Ah, une guêpe encore. Ah, mais elle s'est posée sur mon doigt, au calme. Ouais, elle est encore là, moi je bouge pas. Elle me tourne autour. Je ne suis pas une fleur. On a perdu Seb, les amis. S'il vous plaît, madame, partez. Allez, sur toi, allez, sur toi. Allez. Ok, je la rapproche jusqu'à la caméra, comme ça vous la voyez. Elle est où? Vous la voyez? Elle est partie sur Seb. Hey, Seb, il déteste les abeilles, les amis. Mais Cécile aussi, apparemment. Du coup, moi, c'est bon, là, je suis safe. Je vais faire la vidéo tout seul. Bon, les raiders. Non, mais les amis, elle était vraiment trop, trop proche. J'ai rien demandé, hein. C'est pas moi qui ai mangé des trucs sucrés. Ouais, c'est moi qui ai mangé une glace juste avant la caméra. Alors, fait 3 superbes lancers. Effet, attrape 15 Ponyta de Galar. Effet, évoluer 3 Ponyta de Galar. C'est facile. Ici, on a énormément voilà, de pop. Il y a une écurie, les amis. Ils vont faire. Il y a le prix d'Amérique qui va se faire là. Moi, j'ai commencé déjà à raser la zone. Les amis, pendant qu'on fait nos évolutions, je voulais dire merci déjà à Didier H de m'avoir offert la quête d'aujourd'hui. Parce que merci à toi, c'est 1 euro quand même, donc ça fait plaisir. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, eh ben, venez sur cette vidéo. On est à 21% des 100 000 abonnés. C'est pas beaucoup. Hein. Faut faire monter ce chiffre, les amis. On est à 21%, c'est vrai, hein. J'ai jamais vu ça comme ça, seulement. Ouais. On est à 21% de recevoir la plaque YouTube. À un moment donné, ça fait 5 ans, il faudrait qu'on la reçoive. Ce serait sympa, non? Ouais, c'est clair. Voilà. On arrête. C'est bon, on a assez fait. J'avoue. On a assez fait. Salut tout le monde. Alors du coup, je suis sur mon dernier là, à faire évoluer. T'as fait les 3 ou t'en as fait que 2? J'en ai fait 1. Ok. Bah, ça fait mon deuxième. Je sais pas pourquoi t'es parti sur les captures. Ouais, ça a évolué, j'ai quitté et j'ai oublié. Tout ça à cause des 21%. Moi, je vais faire évoluer le deuxième Shiny que j'avais pas fait évoluer, donc le Ponyta de Galar. Ok. Là, du coup, vu qu'il me manquait celui avec le bleu, là, le Ponyta bleu, j'ai cliqué et j'ai attrapé que des Ponyta normaux, quoi, pas de Galar. Ouais. Et là, sur mon radar, là, tu vois, il reste que des Ponyta de Galar autour. Ah ouais. T'as l'impression que c'est un CD Ponyta de Galar. Bon, j'ai fait mes 3 évolutions. Pareil. Et on va découvrir. Vas-y, on va découvrir alors. 3, 2, 1, shiny check. Pas shiny, 704. 722. Oh! Et il est grave loin. C'est 100%, la vie d'homme, c'est 100%. Ah, je crois pas, mais... C'est sûr, c'est 100%, les gars. C'est 100%. Je suis pas sûr. C'est 100%, moi, je te le dis. On va vérifier tout de suite. Mais en tout cas, 722, c'est 100%. Il a pas la crinière bleue. Oh! 96. J'y ai cru, hein. Ça aurait pu. Donc c'est 725 alors. 730 peut-être. 725. 726, allez. Je suis prêt pour le dernier. Attends. Ouais, récupère les poupes. Je suis prêt. 3, 2, 1, shiny check. Wow. Not shiny, et c'est le gros. Galopa. Combien? 1025 000. Ni 1026. 25. Ouais.
1026, 1000. Ah non, il n'est pas rentré. Essaye de le mettre dans le concours, peut-être ça va te rapporter. Il n'y a pas. La première place. Mais non, mais t'as déjà mis 1. Donc il faut que tu ailles dans le concours et tu fais changer. Alors. Ah, il est roulou le mien, il veut pas rentrer, frérot. Le concours Pokémon dans les arènes, Pokémon source d'énergie, concours. Voilà. Et là, tu fais changer et il va te proposer le Politan en premier, je crois. Le Galopa. Ah non. Non, mais je vais mettre celui-là, il est plus gros. 100 points. Et je suis 8ème. GG, mec. Waouh. Tu vois. Ah non, moi, il me propose même pas le concours. Et la quête, c'est auto-validée, les amis. Auto-validation de la quête. Ça, c'est nice. Allez, c'est parti. On récupère tout ça. 3, 2, 1. Chain check pour l'avant-dernier. Hey. Deux galards. Ah. 725. C'est le 100%. Non, je rigole. 708. 710. Bon. Et je récupère encore les super bonbons. Et de là, l'XP. Galopa, deux galards. Shiny check. Et. Oh, il est tout petit. Oh, tu sais, au lieu de me donner un gros, il me donne un tout petit. 441. Mais non, 1041. 47. Tout à l'heure, on a eu 1025 et 1026. C'est-à-dire que là, il est haut. Hein. Ouais, il est haut le tien. Si les PC sont les mêmes, bien sûr. Ah, oh, il est bien. Hein. 14, 14, 13. Ah, le mien, il est mieux, ça veut dire. Tu vois. Toi, c'est 15, 15. Ah non. 14, 14, 15. Bien, 96%. 96. Bon, attends, juste pour pouvoir rentrer dans le concours, je vais essayer de capturer un Ponyta. J'ai envie de le mettre dans le concours. Et je vais voir si j'ai des Excel, tu vois. Si j'ai un Excel, je le fais évoluer. Est-ce que je peux mettre un Galopa dans le concours? Normalement, je peux, non? Bah, il m'aurait proposé, hein. Moi, il m'a pas proposé. C'est vrai. C'est vrai que c'est que... Ça dépend des concours, je pense. Je vais voir les Pokémon qu'il y a dedans. Non, il n'y a pas. En tout cas, les amis, ça nous a fait plaisir de partager avec vous cette petite session Community Day cheval. C'est ça. Moi, ça m'a permis de gagner à peu près 40 000 poussières. J'ai fait le calcul. Et ce, en 40 minutes de Community Day, sans forcer. Sans forcer. J'ai même filmé à droite à gauche dans le parc. Non, non, franchement, superbe journée, Ponyta. Merci Niantic de nous faire plaisir avec des Pokémon qui font rêver. J'espère que le prochain CD, ça va être mieux, hein. Ouais, peut-être un Aspico, tu vois, ce serait mortel. Grave. Trop bien. Ouais, c'est ça, Aspico de Gala. Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et la partager. Et à cliquer sur t'abonner et sur la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos. Salut les Frambis. Salut les Raiders.